C'est pas qui. Donc moi je continue avec la vraie chanson française, en plus c'est les répétitions de notre spectacle qu'on reprendra après le confinement normalement. La première année que je dormais dans la tombe, quand un méchant copieux me tranchait le col et me fit effectuer une grasseuse courbe à la fin de laquelle je plonge dans le formol. D'abord on a voulu consolider la face, on se mit à brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse. Puis on va une faveur autour mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de marin au latin, m'ont un peu lépité qu'Anthropus erectus, erectus albania, moi qui ai dit chaud lapin. Et ces messieurs savants, un potine s'est pincé sur la vue d'un petit os ou d'une très molette, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un kyrkos du Courtin qui a sauvé bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calipige, ôté tout comme la lune. Ils ont dit que j'y vais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'ai découvert de poils et j'avais ma culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonne manière. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant tout est sauté. C'était voilà maintenant bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées. Monsieur Serge Richelieu, l'homme fossile.